Salut les aventuriers, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur cette chaîne. Donc enfin je suis de retour. J'ai arrêté donc les vidéos, donc il y en a encore quelques-unes à Disneyland Paris. Et vous attendiez une vidéo que certains m'ont demandé sur Instagram. Alors du coup je vous fais cette vidéo. Oui, donc pas tout le monde, il y en a pas beaucoup, mais il y a certaines personnes qui m'ont proposé sur Instagram donc de faire une vidéo. Et cette vidéo là c'est mon haul Disney, donc comme vous voyez derrière moi mon sac Disney en Paris, donc je vous mens pas, j'ai vraiment été à Disney. Je suis en train de refermer, je suis en train de remettre en place tout ce que j'ai défait. Voilà, donc j'ai d'abord vous montrer ce que j'ai eu gratuitement, donc hein, comme tous les guests ont gratuitement. Il y a ça qui est quand même gêné. Tant pis, il va falloir faire avec dans la vidéo. Alors, première chose que j'ai pris, qui était gratuit, que tous les guests peuvent avoir en arrivant le matin, c'est un plan. Donc, vous voyez, il a quand même souffert, même si je ne m'en suis pas servi, je vous promets, je ne m'en sers pas. C'est un plan parc Disney. Donc, en fait, vous voyez, toute la journée, il était rangé comme ça. Dans mon manteau. Je vais vous avouer quand même que je me suis perdu à un moment donné à Disney. Je cherchais. Attendez, je vais vous montrer sur le plan maintenant que j'ai un plan de Disneyland Paris. Alors, je suis arrivé donc sur Central Plaza. Donc, je suis arrivé ici à Central Plaza et je voulais aller à Pirates des Caraïbes, c'est au-dessus du château. Sauf que moi, en étant ici sur Central Plaza, ben, comme je suis malin, j'allais vers Space Mountain. Sauf que moi, j'avais dit, de base, normalement, je vais commencer par BTM. Mais BTM, plus de 100 minutes de temps d'attente. Alors du coup, j'ai dit, BTM, c'est mort. Alors du coup, j'ai regardé sur mon application, sur mon portable. Donc là, je suis en train de filmer avec le portable, comme tout le temps. Du coup, j'ai regardé mon portable, je vois qu'il n'y avait pas beaucoup d'attente à Pirates. Il y avait 25 minutes, je crois, d'attente à Pirates. Alors du coup, je me dis, bon, 25 minutes d'attente à Pirates, ça va, c'est pas la fin du monde. Donc, je vais à Pirates. Donc du coup, je vais à Pirates. Sauf qu'avant, je m'étais trompé de côté. Donc voilà. Donc, la journée continue. Le soir, en partant Disneyland Park, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais pas tout seul, bizarrement, à prendre des plans de Disneyland Paris. Mais donc en partant, du coup, j'ai repris donc des plans de Disney en 4 langues différentes. Donc en tout, je l'ai 5 langues différentes, donc en français, en britannique, en russe, en italien, en espagnol. Dire oui, bah Kylian, c'était bien mignon, mais sauf que nous on n'est pas venu sur cette vidéo pour regarder ça. Ce que je conçois totalement, c'est pas du tout ça que vous êtes venu voir sur cette vidéo. Vous êtes venu pour mon haul. Voilà, donc cette vidéo que certaines personnes ont entendu, le haul Disney. Alors, qu'est-ce que tu t'es acheté, le petit Kiki? Alors, la première chose que j'ai trouvé, c'est cette tasse. Donc la tasse Mickey, oui, ça va bien dans le fond comme ça, bleu. On a l'impression que Mickey il sort juste, il y a que Mickey qui sort du sac. Donc voilà, Mickey, donc lui aussi une tasse dans la main. Derrière, de l'anglais. Some morning are around. Donc je sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais j'ai l'impression que c'est moi le matin quand je me lève. Est au prix de 13 €. Voilà. Donc c'est le prix d'une tasse chez Disney. Ensuite, je me suis pris ça, donc il n'y a plus du tout le prix, j'ai enlevé le prix. Donc c'est une lanière pin trading. Alors j'essaie de la remettre à l'endroit. Si possible. Non, c'est pas l'endroit la pépette. Non, je ne lui parle pas. Bon voilà. Donc la carte. Donc la carte. Colonne, donc love.